Thank you.
Claro, será algo sin importancia. Gracias.
S'épandra. Elle se tendra.
On va faire alors le dernier point, c'est le conditionnel. Et on va voir, alors, ça vous parle de telle part d'hypothèse, parce que vous avez déjà dit que les hypothèses, c'est plutôt dans le sens de la condition, c'est-à-dire pour des choses qui ce sont des choses qu'on imagine, mais ce ne sont pas certains.
condicional, lo que vamos a ver primero, cómo se forma y segundo, los usos. El condicional tiene diferentes usos. Primero, ¿cómo se forma? El condicional regular es muy simple. Al condicional se cambia y se dice para el condicional, ¿no? Y un sí le manda una repetición.
Thank you.
À
Thank you.
Pour parler d'un présent chronologique, il parlait d'une réalité dont on n'a pas la certitude absolue. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il avait récupéré aussi un sentiment de présent chronologique, aussi soit pendant une de présent. On est presque sûr, mais pas vraiment, pas certain d'une manière absolue. Thank you.
Syriane. Delante, a visitar el Palacio Real, ¿no?
Tendría que enviar mi familia Jiménez y algunas iglesias que querían enviar Jiménez delante. Pues no, yo tendría aquí en mi bicicleta los pondría bien. Trata de las artes que el condicional, compuesto de condicional fácil. No le da prioridad a esa.
Thank you.
Los tomates se pudren a causa del calor o de la humedad. Pour ça, la transition. Je vais continuer.